Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment régler un carburateur de scooter. Donc vous allez ouvrir la selle de votre scooter et vous aurez un boîtier comme ça où mettre votre casque. Donc vous allez dévisser la vis du boîtier. Et là vous allez arriver au carburateur. Donc le carburateur c'est cette pièce-ci. Et la vis ça va pour modifier le ralenti du carburateur c'est celle-ci. Donc en fait ce qu'on va faire c'est soit la serrer pour que le ralenti soit plus lent, ou soit la desserrer pour que le ralenti soit plus rapide. Donc je vais allumer le scooter pour que vous le voyez. Voilà, donc là, je vais serrer. Là, le ralenti augmente. Là, je vais desserrer et le ralenti diminue. Par contre, si on diminue trop, ça va faire ça. Il va s'arrêter, il va caler. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de le régler pour que le ralenti soit pas trop rapide ni qui cale. Voilà, donc il faut que votre scooter soit comme ceci. Voilà, quand votre pot d'échappement fait un rythme comme ça, c'est que votre carburateur est bien réglé. Donc mettez-le pas comme ça, parce que sinon votre roue va accélérer déjà, même si vous accélérez pas. Voilà, donc c'était comment régler un carburateur de scooter. Au revoir.